Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de notre Porsche 918 Spider. Alors, j'ai bien avancé sur le kit. J'en suis déjà à la page 23, hein. On en était à la page 11 la toute première fois. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie ça tout de suite. Et je vous dis ça tout de suite. Vincent, dépêche-toi. Je vous dis ça tout de suite. C'est ça, on en était à la page 11, les amis. En maintenant, je vais vous répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées sur des vidéos qui sont déjà passées, bien entendu. Notamment, j'ai une question qui m'a été posée: où est-ce que j'ai trouvé ce genre de pince-là? Alors, mon ami, tu n'as pas précisé quelle pince, donc je pense que ça doit être celle-ci. Ou alors, ce sont les pinces Croco, celle-ci, et après j'en utilise pas vraiment d'autres. Après, ce serait celle-ci, mais je ne pense pas qu'on les ait vues sur la vidéo, je m'en souviens plus. Alors, tout simplement, celles-ci, elles viennent de chez Lidl, tout simplement, à un prix dérisoire. Il y avait une promo là-dessus, et puis j'ai sauté dessus, j'ai acheté, je crois que c'était une boîte de... Il y en avait 100 dedans, je crois, un truc comme ça. Donc je les ai pris, je les ai achetés. Celles-ci viennent de chez Action, les amis. Pareil, pour un prix dérisoire. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je les ai pris aussi. Et puis celle-ci, ça vient de chez Auchan, quand ils mettent en rayon, les rayons en carton là. Pareil, à petit prix, il y en avait quoi, une dizaine, je crois, dessus, sur un présentoir en petit carton. Et puis, je les ai pris en même temps. Donc, voilà pour cette réponse-là, les amis, de la question qui m'a été posée. Autre question qui m'a été posée, je fais très vite, les amis, parce que voilà, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire la rouille sur les tôles du Monturama? Alors, j'ai utilisé la couleur rouille, déjà, alors. Il faut que je retrouve juste, c'est la couleur rouille. Et je ne sais plus s'il si m'en restait. Voilà, la couleur rouille de chez Prince Auguste. C'est la référence 080. Voilà, c'est celle-ci de chez Prince Auguste. Le focus, s'il te plaît. C'est une nouvelle caméra, les amis, pour que la netteté soit encore plus jolie. Voilà, rouille. J'ai passé déjà celle-ci. Ensuite, j'ai passé... Alors, comme vous le savez très bien, pour la couleur rouille, j'aime bien utiliser celle-ci. Voilà, je m'en mets sur les doigts. Voilà, c'est ta faute, ça, mon ami. Hein. Je m'en mets sur les doigts. Voilà, la couleur rouille, c'est celle-ci. Alors, ça, vous l'avez, vous la retrouverez chez Cultura. Voilà, c'est celui-ci. Et la référence, c'est du 378, les amis. Alors, focus. Voilà, 378. Et de chez Apteloun, j'ai passé après ceci pour les foncer un tout petit peu. Voilà, pour faire voir que la rouille est un peu plus attaquée. Voilà, donc c'est du 302. 302, 502. Donc voilà, mon ami. Ensuite, je suis venu passer dessus du pigment. Hein, du pigment rouille. Alors, c'est en poudre. C'est en poudre, c'est en poudre, c'est en poudre. Il faut juste que... Désolé les amis, mais il faut que je retrouve le pot. Et je ne vais pas le retrouver là tout de suite. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le ranger quelque part. Enfin, c'est de la poudre, hein, couleur rouille, tout simplement. On vient badigeonner dessus. Non, je ne sais pas où je l'ai rangé, mon ami. Donc, désolé. Et c'est de chez Valero. Alors, tout simplement. On prend un pinceau comme ceci. Voilà, on trempe dans la poudre et on vient tapoter sur le dessus. Une fois qu'on a passé la peinture à l'huile, on vient tapoter dessus. Ça fixe en même temps la poudre et ça nous donne vraiment un granulosité. Des ferrouilles, voilà mon ami, tout simplement.
Donc les amis, après l'autre question, je ne m'en souviens plus, il faudra que je re-regarde. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir de vous y répondre. Donc les amis, générique et puis on attaque. Allez. Voilà sur le plan de travail, les amis. Donc j'espère que vous allez tous très bien, hein, parce que moi ça va très très bien. Je vais vous faire voir l'avancée sur le moteur, les amis. Le moteur il est là. Vous vous rappelez tous de la petite vignette que je vous avais mis en fin de vidéo. Je vais vous la remettre là juste après pour que vous voyez bien, mais autrement. Voilà ce que ça donne, les amis, l'avancée. Alors, je vais essayer juste de vous zoomer un tout petit peu dans l'autre sens. Voilà, vous voyez bien. Et donc, je suis venu faire tous les fils, voilà, de tout ce que j'ai pu voir sur la photo. Même le petit fil vert qu'on voit ici, là, qui est tout fin, je suis venu les représenter aussi. Donc, la durite qui part de là, j'ai recréé toute une espèce de durite ici. Hein, qui vient se brancher là derrière, comme ceci ici. Donc voilà, celle-ci aussi, je l'ai refabriquée de toutes pièces qui se trouvent là et raccordée les durites dessus. Celle-ci, une durite là que je suis venu repeindre après. Celle-ci, je l'ai arrêtée là parce que de toute façon, après, on ne la voyait plus. Donc voilà, les amis, le système de durite que j'ai installé. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire ça tranquillement. Voilà, donc je ne vous ai pas filmé ça parce que bah, d'une, c'est trop long et c'est trop petit. Donc ensuite, bah, là, vous venez de voir que j'ai déjà posé un premier moteur. Alors, je ne sais pas ce que c'est hein, comme moteur, mais il y a un moteur à l'avant. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi. Qu'il y a ça ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc de toute façon. Ça vient à notre étape qu'on a besoin. Donc là, on était à l'étape 11 la dernière fois. Donc ça veut dire qu'on doit venir poser la première partie de l'échappement. Donc c'est-à-dire ces deux pièces-là, ici. Donc je vous les fais voir. Ces deux pièces-là. Et je vous explique avec quoi j'ai peint ça. Alors les voici, les voilà les amis. Hop, faut rester cadré Vincent. Donc ça a été déchromé, mise en apprêt et ensuite je suis venu passer directement peinture de chez AK Extreme Metal du titanium et c'est le AK 669 les amis. Voilà, ça vous donne ça. Voilà, donc là faut bien le secouer parce que les pigments restent au fond. Et donc là, on va venir poser ça tout de suite. Donc j'ai juste à venir le dégrapper. Alors j'espère que je suis bien cadré. Oui, c'est pas trop mal. Ça va bouger un tout petit peu, les amis. Voilà. Hop, impeccable. Alors ça, on va venir coller ça avec de la colle, bien entendu. Voilà, elle est là. Il va me falloir une petite pince. Je vais venir y mettre de la colle ici. Et de la colle tout de suite ici. Voilà. J'ai plus qu'à prendre ça, venir le mettre là-dedans, comme ceci. Alors sur la notice, il faut bien faire attention. On nous montre l'angle que ça doit prendre. Vous voyez? Juste ici, voilà, on vient proposer cette pièce-là. Et ici, ça nous fait voir l'angle. Vous voyez que le rebord de ça, bah, faut que ça soit à ras de cette partie-là. Donc, si je reprends après la maquette, on va pousser ça parce que ça va tomber. Il faut que ça soit vraiment à ras. Donc, bah là, pas le choix, on le met à ras.
Là, ça tient pas. Ludo, mon poteau, t'as vu? Il n'y a pas que toi qui a de la colle qui tient pas. Moi aussi. Donc là, c'est bon. On va venir coller celle qui va juste en face. Alors, je vais mettre mes lunettes loupes. Désolé si je passe devant. On va venir y rajouter un petit point de colle, quand même. Voilà. Et voilà. Alors, pourquoi qu'ils sont de cette couleur-là? C'est parce que là, c'est une partie qui chauffe, mais alors énormément. Ouais, alors il nous disait qu'il fallait que ça vienne à ras de ça, mais c'est pas possible. Il n'y a pas assez d'inclinaison. Ah ouais, non, c'est pas possible. Pourtant, cette pièce-là, elle est bien posée. Elle est bien posée, donc c'est pas possible que ça vienne à ras de ça. Pourtant, ils nous font bien voir ici. Ouais. Bizarre. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. C'est pas grave. Donc, ensuite, on tourne la page. Alors, il n'y a pas que son pièce de prête, hein, les amis. Ensuite, on doit venir installer les garde-boue, les amis. Alors, sur cette étape-là, on nous fait voir la petite flèche qui fait un demi-cercle comme ça veut dire qu'on a la même affaire de l'autre côté. Pour ceux qui ne le savent pas, bien entendu. Et donc là, c'est, je sais plus, c'est lesquels. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. C'est avec la petite encoche ou pas? Non, il n'y a pas la petite encoche. Donc c'est cela. Voilà. Alors. J'ai oublié une étape. On retourne en arrière. Et oui, j'ai oublié l'étape. Tout simplement, c'est que j'ai oublié de... Hop, les amortisseurs. Donc les amortisseurs, les amis, les voilà. Vincent, tu vas aller trop vite. Voilà, et tu fais la boulette. Alors, les amortisseurs, ils sont encore sur un pipio. Ça a été mis en après. Ensuite, ça a été mis tout en noir. Donc la notice nous demande un noir brillant. Donc moi, je suis venu, j'ai pris du TS 14 directement en bombe. Je me suis pas enquiquiné la tête. Ensuite, je suis venu masquer. Voilà. On de nous demande après cette partie-là de venir la passer en premier temps en aluminium. Voilà. Je vous fais voir. En aluminium. Ensuite, on nous demande de venir passer un rouge translucide dessus. Et ensuite, moi je suis venu, après ça c'est tout, je suis venu passer un jus entre les traits pour vraiment donner un effet de cercle, hein, d'amortisseur. Et la partie du bord, on nous demande de venir peindre ça en gold. Donc les peintures, je vous ai fait voir le X14, l'aluminium que j'ai utilisé. C'est de l'aluminium en bombe. Pareil, j'ai utilisé celui-ci, voilà. TS-17. Ensuite, le rouge translucide, j'ai utilisé le X27 de chez Tamiya, que j'ai dilué et passé à l'aérographe. Et pour la couleur or, je suis venu utiliser du X12, les amis. Voilà, alors désolé pour le pot, hein, c'est... Il y a un accident qui s'est passé. Et puis voilà, celui-là, il a été rescapé. Il n'a pas cassé. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et donc là, on va venir les poser. Donc une pince pour venir dégrapper ça. Donc là, ça vient se dégrapper ici. Alors, tac. Hop. Et ici. Alors, aucune de ces pièces, hein, qu'on va venir poser, les amis, n'a été vernie. Toute cette petite pièce-là, je ne les vernis jamais. Je ne vois pas l'intérêt de les vernir. Donc voilà, la peinture, elle est brillante. C'est dans une partie du moteur qu'on ne verra plus rien du tout. Donc je ne m'embête pas à venir les vernir. Donc là, on va venir mettre de la colle
J'ai un petit trou là en dessous là. Hop, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, ici et ici. On reprend l'amortisseur. Il va falloir que je vienne avec une pince pour venir l'installer. Faut passer ça avant par là. Alors, on va prendre par le bout. D'accord. Si je vois que c'est trop long, ça va être hors caméra. Bien entendu. Alors ça, c'est pas dedans. C'est pas dedans, c'est pas dedans. C'est marrant. C'est bon. Ouais, ça me disait de venir là. Voilà. Tac. La même chose. Derrière, je sais pas si vous avez vu, mais voilà. L'amortisseur est mis en place. Donc, évidemment, je vous cache pas qu'on ne voit plus rien après. Ici et ici. Et on recommence avec l'autre. Voilà, il est dedans. Ici on est dedans et ici on est dedans. Donc, je vais juste y rajouter un petit peu de colle. Voilà et voilà. C'est tout. Donc voilà. Et là on va pouvoir venir installer les garde-boue. Donc on va installer celui du bon côté. Les garde-boue ont été apprêtés et peints en X18 que je suis venu diluer. 50-50, hein, et puis c'est du X18 tout simplement. Alors, selon comment qu'on le pulvérise, si on est trop près ou trop loin, bah, la brillance ou le satiné n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que vous allez en voir qu'ils vont être plus brillants que d'autres. Là, un petit peu de colle là, et un petit peu de colle là-dedans. Voilà, ça, ok. Et ça, ok. Ça, ok, ça, ok. Ok, oui, c'est comme ça. Donc ça c'est bon, je vais juste venir y rajouter de la colle ici. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, et de la colle de par là pour assurer vraiment le collage. Ok, là c'est bon. Et ici. Voilà, juste des petits points. Donc on fait la même chose évidemment de l'autre côté. Hein. Voilà. On vient prendre le deuxième et on le met dans son emplacement prévu à cet effet. Et là, ça ne veut pas passer. Pourquoi? Pourquoi tu passes pas? Celui-là qui va là.
l'ajustement qui est pas terrible, terrible, on va dire. Voilà. Là, c'est bon, c'est good, c'est bien rentré. Hop là, se coupe pas le pot, ça sert à rien, il est plein, Vincent. Un petit point de colle, comme on a fait de l'autre côté. Il a du mal à s'appliquer, lui. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai de la colle de partout. Donc, voilà, pour cette étape-là, les amis. Ça, c'est bon. Donc, l'étape... Hop, c'est pas par là. Par ici, l'étape 13, c'est OK. Donc l'étape 13, OK. Donc on peut barrer. Voilà. Ensuite, on vient pour l'étape 14. Donc l'étape 14, c'était celle-ci. Je suis venu assembler les trois parties. Je suis venu le peindre en couleur aluminium. Le fameux TS-7. Et ensuite, en repiquage, on avait voilà le petit trait, les deux petits traits qu'on a juste ici, et puis bah c'est tout, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Alors ça se trouve à l'avant de la voiture. Alors je sais pas, peut-être que c'est un moteur pour la direction assistée, j'en sais rien, je ne sais pas. S'il est y en a qui connaissent très bien cette voiture là, les amis, bah n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant que ce moteur là, bah ça sert à ça et pas à autre chose. Ça me fera énormément plaisir. Voilà, ici, ça c'est good, c'est bon. Voilà, un petit peu de colle de par là. Voilà, histoire d'assurer le collage. Et puis bah, par là, tu peux pas. Oui, là, c'est bon. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'était pour l'étape 13. Étape 13, on la retrouve à l'étape 16, hein, faut venir le coller. Donc autant le coller tout de suite et l'assembler, comme ça on ne le perd plus. Ensuite, j'ai la barre de direction à venir installer. Donc voilà, cette barre-là. La barre, elle n'a pas été apprêtée, elle était peinte directement à la bombe en en aluminium, hein, TS-17. Et petit piquage en rubber black, le rubber black. Rubber black ou natto black que j'ai passé, moi je sais plus. Non, je crois que c'est du rubber black. Voilà, rubber black. C'est du XF85, les amis. Donc voilà, XF85, j'espère que vous le voyez bien. Ok, c'est bon. Voilà. Et là, on a les deux éléments de fusée et de direction. Donc cette pièce-là et cette pièce-là. Voilà. Alors là, la notice là, nous demande de venir peindre ça comme ceci. Et là, bah, c'est tout simplement du XF20, les amis. Voilà, c'est un genre de... un gris, quoi. C'est un gris, gris médium. Et ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Alors ici, il faut qu'on vienne positionner ça. Tac, 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 comme ceci, ici et ici. Alors, j'espère que vous voyez bien, je suis bien dans le cadre, oui. Il faut venir positionner ça comme ceci. Ça rentre pas. Ah, ça c'est les couches de peinture, évidemment. Ouais. Voilà. Celui-ci, pareil. Voilà. Et ensuite, on doit venir installer la barre. Donc là, là-dessus, rien de compliqué. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on y fasse un point de chauffe. Donc, on ressort ça. On va essayer de l'en rentrer avant. Une petite pince pour venir appuyer. Venir l'enfoncer. Voilà. Voilà.
passer directement de l'autre côté aussi. Voilà, ça c'est bon, c'est good. Maintenant, on n'a plus qu'à refixer ça. Voilà, et s'assurer que normalement, bah, ça devrait fonctionner. Ok. Bon passage, ouais, impeccable. Ensuite, on a les deux cardans à venir poser. Alors là, les cardans, on nous demande de venir passer ça en noir brillant. Donc j'ai tout peint en noir brillant. Donc je... Voilà, TS14. Et ensuite, en rubber black, les coussinets, les soufflets de cardan que je suis venu passer au pinceau en rubber black. Donc là, juste la pince à dégrapper. Et on vient, voilà, couper les bouts, tout simplement. Ensuite, on a un point de colle à venir mettre là-dedans. Et venir insérer le premier. Ça, ce sera plus rapide, plus efficace. Et après, je vais couper pour retrouver mon petit chalumeau. Je rajoute juste un petit point de colle ici pour vraiment. Hop là, la grosse goutte. Heureusement qu'elle n'avait pas tombé celle-là. Voilà. Pour assurer le collage de cette pièce-là. On fait la même chose de l'autre côté. On vient mettre un petit peu de colle avant. Alors pourquoi je mets un petit peu de colle avant dans le trou? Tout simplement comme c'est pas à la bombe, il y a des particules de peinture qui sont tenues sur le rubber. Et cette colle là va venir, celle-ci, voilà, la colle de chez Tania, va venir bouffer la peinture. Et quand on vient pour mettre la pièce, et ben il y a déjà ces plastiques quasiment contre plastique. C'est pour ça que je rajoute toujours un petit peu de colle après. Voilà, une petite goutte de colle pour que le plastique puisse bien fondre et vienne bien coller mes pièces. Voilà, alors ici, après au bout, est-ce qu'ils nous disent de coller ça? Non, on nous dit rien, donc ouais, ça doit être à coller, je pense. Ça vient juste s'emboîter là-dedans. Donc, normalement, si je le colle, après les roues, ils ne bougent plus. Pourront plus tourner, donc on va peut-être pas coller, on va peut-être juste venir l'emboîter, c'est tout. Voilà, parce que si je colle ça, je ne pourrai plus bouger la direction, donc là c'est juste emboîté. Voilà, donc pour ça, les amis, c'est bon. Donc l'étape 14, c'est bon, les caps. L'étape 15, c'est bon. L'étape 16, c'est bon. Toutes les pièces sont venues être posées et collées. Ensuite, on a le grand triangle à venir poser dessus. Et donc, c'est celui-ci. Donc, tout simplement, une pièce qui a été peinte directement en TS14. Ensuite, on nous demande de venir peindre la barre là et les deux triangles en aluminium. Donc là, je suis venu prendre de l'aluminium de chez MIG. La couleur aluminium, c'est celle-ci. Ne me demandez pas la référence, on ne voit plus rien dessus. Hein. Ça s'efface, malheureusement. Ça fait un petit moment que je les ai, ces petits pots-là de chez MIG. Et sincèrement, ils sont géniaux. Ça couvre bien. Et après, bah, c'est tout de suite propre. Donc ça, c'est bien. Donc là, on va venir installer ceci. Donc là, je regarde, on a normalement 4 points d'attache. Mais il faut que je repère où est l'attache. Ok, ça roule. Bah écoute, on va le laisser comme ça, puis on va venir y glisser de la colle. On va pas s'embêter. Ouais, on va pas s'embêter. Donc là, un petit peu de colle. Arrête de remuer le pot, Vincent. Il est plein. Il n'est pas vide, celui-là.
Hop, un petit peu de colle là. Je retourne de l'autre côté. Je vais juste le tenir comme ça au moins vous allez bien voir. J'ai cette partie-là qui s'est soulevée. Voilà, elle est bien repositionnée, celle-là. C'est là. Ici, un petit point de colle là. Et un petit point de colle là. En aucun cas, on met de la colle au niveau du triangle ici. Parce qu'autrement, la direction, elle directionne plus rien. Donc ça, c'est bon. Alors, me demandez pas non plus pourquoi que le triangle bas est mis en noir satiné et que le haut est mis en aluminium. Ça, je ne comprends pas. Plusieurs voitures déjà que j'ai déjà montées ont nous demandé ça, en noir en bas et en aluminium en haut. Je n'en sais rien. Pour ceux qui ont la réponse, hein, n'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas de me donner la réponse. Donc, l'étape 17, c'est bon. Il y avait juste cette pièce-là à venir poser. Ensuite, on a les amortisseurs à venir passer. Cette fois-ci, Vincent, tu ne les oublies pas. Donc, les amortisseurs, les voici, les voilà. Alors, ça a été peint en aluminium entièrement. Donc, les grappes sont grises hein, de base. Ça a été peint en aluminium directement. Ensuite, avec un pinceau très très fin, je suis venu représenter les petits ressorts. Voilà, j'ai pas mis de jus dedans parce qu'on voyait très bien après. Et ensuite, la dernière partie qui se trouve tout en bas est venue être passée en couleur gold. Donc voilà. La peinture rouge que j'ai utilisée, c'est toujours la même, du X27, les amis. Donc comme pour ceux de l'arrière. Donc là, elles sont posées toujours sur une grappe. Donc là, on va venir couper. Cuter ça vient être cuter à ras. Hop. Donc là, pour ces pièces-là, ça c'est bon. Là et là. Et là, on va venir installer les amortisseurs. Donc ça vient se positionner. Donc, de retour les amis, désolé d'avoir coupé. On va venir poser les amortisseurs. Donc, il faut que je remette juste mon casque loupe que j'ai posé quelque part. Bon, j'ai mis le casque loupe. Alors, il faut qu'on vienne donc mettre les amortisseurs. Mais ça, je crois que vous l'avez compris. Et il faut venir mettre ça comme ceci. D'accord. Alors, on a un petit décroché dans l'amortisseur. Voilà, c'est pour laisser passer la barre de direction, tout simplement. Donc ça là-dedans et ça ici. Ça là-dedans. Non, c'est ça là-bas. Ici et ici et ici. Voilà. Un petit point de colle là et un petit point de colle ici. Voilà. Ça c'est good. Non, c'est pas good, t'es à côté. D'accord. Ok. Là c'est bon. Donc pareil de l'autre côté. On va mettre de la colle en premier, et comme ça sera plus facile. Ici. Une grosse goutte. Voilà. Et ça, même chose, même punition. On l'insère en bas, on l'insère en haut, et puis bah voilà, c'est bon. Ok, donc voilà ce que ça donne avec les amortisseurs, les amis. Impeccable. Donc, bah, l'étape 18, c'est bon. Il y avait juste les amortisseurs à venir faire. Donc là, c'est barré. Et ensuite, on tourne la page. Et là, il faut qu'on vienne venir poser,
cette espèce d'appareil. Page, enfin niveau 19, on a une espèce d'appareil à venir mettre qui va venir juste là devant. Alors pareil, hein, ceux qui savent, dites-moi-le dans les commentaires, à quoi sert cet appareil-là. Donc bah, tout simplement, ça a été peint toujours pareil en TS-17 en aluminium. Et on nous demandait juste de venir repiquer en rouge les 3-4 traits qu'il y avait dessus. Donc c'est ce qui a été fait. Donc là, ça c'était de la peinture mate qu'on nous demandait, du rouge mat. Donc le rouge mat, c'est du XF7, les amis. Donc voilà. C'est impeccable. Et là, il faut qu'on vienne mettre ça dans les deux trous qu'on a là. Donc c'est les deux gros carrés qu'on a ici. Donc là, on va venir y mettre de la colle tout de suite. Tac. Et tac. Donc là, ça c'est bon. Et on n'a plus qu'à venir y glisser la pièce. Tout simplement. Alors, voilà, ça c'est bon. Il n'y a rien d'autre à y faire. Juste ça. Alors oui, ça a été peint en aluminium et juste la barre qui se trouve là sur le dessus, elle, on nous demandait de passer ça en chrome. Donc c'est ce qui a été fait. Voilà. Et donc là, normalement, ça peut encore tourner. Alors c'est très léger, mais ça tourne quand même. Je vais sortir aussi mon petit chalumeau pour venir écraser les deux petites pointes. Donc pour l'étape 19, bah ça y est, il y avait juste cette pièce-là à venir poser. L'étape 20, pareil, on a les deux garde-boue à venir poser. Donc les deux garde-boue, ils sont là. Faut juste ma pince pour venir dégrapper cette partie-là et cette partie-là. Hop, tac, tac, ça c'est bon. Celle-ci et celle-ci. Voilà, hop, ça va aller poubelle après. Donc on peut reprendre la carrosserie, enfin le châssis, si on n'en est pas encore à la carrosserie. Et puis bah ça vient comme ceci et comme ceci. Tac, 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 tac. Ok, donc on va glisser de la colle avant. Donc là, on a quatre points d'ancrage, les amis. Donc un là-dedans. Ici et ici. On prend ça. J'espère que je suis bien cadré à chaque fois parce que il va falloir que je remette mon écran de retour. Je tourne la pièce pour voir si elle est dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a qui me gêne? Pourquoi que ça rentre pas? Rentrer bien tout à l'heure, puis la rentre plus? C'est bien la bonne que j'ai pris, j'espère. Non, ça n'a pas l'air. C'est celle-là. Voilà pourquoi ça ne rentrait plus. Voilà. Vous l'aviez vu, je suis sûr que c'était pas la bonne pièce. Et là, pour assurer le coup, je remets de la colle. Voilà, ici. De là. Et je vais en mettre une de là. Clac, voilà. Et la colle, elle va filer tout du long. Bon, elle n'est pas apparue jusqu'ici. Donc je vais juste remettre un peu de colle ici. Voilà. Je dis un peu, hein. Tu m'en mets une tonne. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Donc la même chose à y faire derrière. Toujours pareil. Un point, un point, un point, un point. Il n'y avait pas assez ici. Oh là, il y a trop maintenant. Hop, hop. Ok. Voilà. Et là.
fait comme on a fait en face. Un point de colle là pour assurer le collage. Un point de colle ici. Là. Et puis rajouter juste là. Voilà. Là, c'est impeccable. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant, les amis. Donc l'étape 20, c'est fini. Ensuite, l'étape 23, ben, c'est des espèces de grilles pour laisser passer l'air. Donc, c'est deux pièces, tout simplement. Alors là, on nous demande de peindre ça en X18, les amis. Donc, c'est ce que je suis venu faire. On nous demande de venir peindre ces parties-là en couleur aluminium. Alors, on ne les voit pas du tout après, les amis. Parce que vous voyez, elles viennent se mettre juste derrière le garde-boue. C'est-à-dire quelque part par là. Et donc, j'ai trouvé ça inutile, là, de venir les peindre en aluminium. Alors qu'on ne va pas du tout les voir. Vous allez me dire, ça fait toute la filerie. Et puis, on va pas la voir. C'est pas faux. Mais bon. Moi, vous savez que la filerie, elle est faite. Mais bon. Vous allez vous dire, ouais, mais on sait que t'as pas pensé l'aluminium. Ça va, les copains, quand même. Alors, un petit peu de colle ici. Tout simplement, de la colle ici. Ah, d'accord. Faut que ça passe là aussi. Alors, ça va comment, ça? Droit comme ça, pas droit comme ça. Il y a un petit réglage à y faire, je suppose. Ici et ici. Ouais, ok, ça marche. Alors ça doit venir rentrer. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ça doit venir rentrer. Il y a une toute petite encoche ici. Là. Et ça doit venir rentrer. Donc la petite encoche qu'on a. Hop, là, doit. Voilà. Et main de beurre. Voilà. C'est la petite encoche qu'on voit ici. Voilà. Et ça doit venir se glisser dedans. Donc c'est ce que je suis venu faire. Alors, j'installe l'autre pièce. Oh, pourquoi tu veux pas y aller là? T'es dedans ou t'es pas dedans? T'es pas dedans. Il est pas dedans, il est pas dedans, il est toujours pas dedans. Bah alors? Pourquoi tu veux pas rentrer? Ah bah l'autre qui se décolle. Génial. Ah bah, faut le rentrer là aussi. Voilà. Ça c'est dedans. Et là on va venir repositionner celle-ci qui s'est complètement barrée. Voilà. Ok. Ok, ça marche. Ah ben là, elle est complètement barrée aussi. Pas du gauche. Ok, voilà, c'est bon. Ça, c'est ok, voilà. Ce que ça nous donne pour le moment, les amis. Donc, voilà, impeccable. Et donc, pour cette étape-là, 21, c'est bon, c'est fini. Vous voyez, c'est que des petites étapes.
Il y a que ouais, deux pièces à venir poser. L'étape 22, c'est pareil, il n'y a que deux pièces à venir poser. Alors, les amis, pour l'étape des disques de frein avant. Les voici, les voilà. Alors, on a les espèces de polycap, mais en plastique dur à venir poser. Il m'en manque un, alors j'espère qu'il est sur le... Oui, il est sur l'autre. Alors, c'est venu être apprêté. Hop. Ça a été passé en titanium de chez AK Extreme Metal. C'est les mêmes. Alors, c'est celui-ci. Titanium. Voilà, celui-ci. Titanium de chez AK Extreme Metal. Metal, c'est encore le même que tout à l'heure. C'est le AK 969. Les amis, donc c'est celui qui a été passé. Ensuite, je suis venu masquer et je suis venu re-apprêter la pièce pour que ça soit blanc ici. Et ensuite, je suis venu passer du X15 de chez Tamiya. Donc c'est celui-ci que je suis venu diluer 50-50, hein, tout simplement. X15, je suis venu passer trois couches de ce vert fluo. Tout simplement, c'est parce que bah, c'est la notice qui nous le demande. Donc voilà. Et le petit décalcomanie a été collé, c'est marqué Porsche dessus. Et ensuite, on nous demande de venir peindre ça en X18, si je mes souvenirs sont bons. Alors je regarde du F. J'ai le papier en face de moi, du F. Oh non, c'est du gris anthracite qu'on nous demande de venir mettre au milieu. Et donc c'est ce qui a été fait. Et donc voilà un disque, bah, tout simplement. Alors je ne suis pas venu les percer. J'avais commencé à vouloir les percer en me servant. On avait des décalques qui donnaient l'imitation des trous. Donc j'étais venu poser tous les décalques et j'étais venu essayer de percer trou après trou. Mais ça n'a pas marché, ça a foiré. Parce que déjà d'une des décalques s'arrachait et ensuite ben, on avait des trous qui correspondaient pas avec certains ou voire qui débordaient sur l'autre et donc ça agrandissait le trou encore donc j'ai tout rebouché et je suis venu directement faire un disque plein donc voilà tout simplement. Alors là le disque il faut y mettre le polycap, enfin c'est pas du polycap, c'est du plastique pur et dur, voilà, mais c'est pas grave, ça sert de polycap, en fait ça sert de guide hein, tout simplement. Et là on doit juste venir coller ça ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien, si je tiens comme ça, voilà comme ça, bah, moi je vois plus rien aussi. Et puis ici, alors là, je vais en mettre une plus grosse goutte, voilà, parce que là il n'y avait rien et le disque qui vient se coller. Hop, comme ceci. T'es sûr que c'est ça? Grand, petit, mais en décalé. Ça, c'est pour la partie arrière. Donc, moi, c'est la partie avant. Donc, ça doit être l'autre. Ça doit être l'autre. Donc c'est des disques fins qui vont à l'avant. Et les gros disques à l'arrière. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ouais, même si je fais ça, ça me donne l'envers. C'est pas ça du tout. Ça, il n'est pas aligné. Ça, ce sera de l'autre sens. Et là, ce serait de l'autre sens. Donc, ça va pas du tout, ça. Et là, on serait comme ceci. Ah, mais oui, attends. J'ai sauté une étape, c'est l'étape 22. Ben oui, ça va de l'autre sens. Voilà, l'erreur est juste. Ok, donc voilà avec le disque. Ça a déjà tout de suite de la gueule. Donc là, j'espère que j'assure le collage.
C'est pas une fois qu'on a mis les roues, qu'on se dit, mince, c'est mal collé. Et Vincent, t'as oublié de mettre ton coup. Bon, ça se voit pas de toute façon. Donc ça va rester comme ça. La petite tétine là que je devais écraser avec la chauffe. Bah, tout compte fait, elle est restée parce que ça me gêne pas du tout. Voilà. Donc là, c'est ce disque-là qui va par là. Ça c'est bien mis, je m'assure que pas. Ah, elle était mal mise. Et là, il est bien mis. Donc voilà ce que ça donne. De par là et de par là. Et là, on n'a plus que l'arrière à venir s'occuper. Et c'est l'étape 22, 23, les amis. Et c'est ce qui va mettre un terme à la vidéo. Donc il me faut juste que je retrouve le dernier. J'appelle ça les polycaps. Axe de roue, on va dire, au pire. Ça me paraît décollé, ça. Ah oui, c'est décollé, ça. Ah ouais, carrément. Même. J'ai un problème. J'ai dû forcer dessus. Et c'est venu se décoller. Et pourtant, hein, vous voyez, à peu près toutes les pièces, je renforce le collage. Donc là, hein, je recommence même étape. Je mets de la colle là. Je mets de la colle là. Hop. C'est des gros emplacements. Alors. Et là, celui-là, il vient là-dedans. Ok, ça c'est bon. L'autre côté, même chose, même punition. On met de la colle dedans. Là aussi. Et on y met le système de freinage. Et là, on appuie bien fort. Voilà, tout simplement. Donc voilà où est-ce qu'on en est, les amis, de cette magnifique voiture. Voilà. Avec ces disques de frein. Alors ça va rendre vraiment très très bien. J'adore. Donc très belle avancée sur ce montage. Assez simple à faire, hein, tout compte fait. C'est pas plus compliqué qu'une autre voiture. Et elle va être magnifique une fois finie. Voilà les amis. Donc les amis, on se retrouve face à face. À tout de suite. Allez, de retour face à face les amis. Voilà, j'espère que le montage vous aura plu. Je prends déjà énormément de plaisir à monter cette voiture qui va être magnifique, je l'espère. Donc les amis, hein, si vous aimez ce petit montage de la Porsche 918 Spider, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de ce montage, hein, la suite évidemment. Et de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires, de poser de vos questions, les amis. Si j'ai oublié des questions, n'hésitez pas à me les redemander dans les commentaires, hein, si je n'ai pas répondu. Je veuillez m'en excuser, les amis. Je réponds aux commentaires, mais si c'est sur des vidéos qui sont antérieures, je ne vois pas forcément les notifications. Donc voilà, veuillez me reposer les questions et ça me ferait énormément plaisir de vous y répondre. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et si vous sortez, faites très attention à vous. Salut!